Je ne peux pas encore faire ça. Je reviendrai. Lumos. J'ai quelques petites choses à vous dire. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien! Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Rebellion. Yeah.
Lumos. Revelio. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baveboules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Revelio.
Revelio. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Revelio. Action. Revelio. N'ayez crainte, mes jeunes compagnons d'armes. J'ai le cœur vaillant, et la bataille ne m'effraie guère.
Revelio. Revelio. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joute Magique ?
Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Action, Lumos. Réparons. Lumos. Protégo. Legioso. Arrête sa baguette. Bingo. Quel duel ! Bravo ! Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de Joute Magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Revelio. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr ! Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est ? Tu veux essayer ? Ce serait super ! Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Bien joué. Les vieux sont. Voilà, comme ça. Les vieux sont. Action. Bon travail. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat ? Oui. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui, avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée ? Désolée d'avance.
Leviosa. Protego. Action. J'ai perdu mon pari. Action. Leviosa. Action. Peut-être qu'un jour, je vais avoir ma chance. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Tous mes devoirs sont finis. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi ce que vous vouliez entreprendre, n'est-ce pas? J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Thank you.
Revelio. Revelio. Ah, vous voilà. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Hecat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions. Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi votre du emploi temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux trois balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock? Quand est-ce que t'étais à Gringotts? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-loin. Vers Gringotts? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre, alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire. Madame Scribe n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres.
Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bons termes. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Silencieux comme la mort. Thank you.
La bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Oh non! Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Hé, pourquoi il nous faut une clé? Y a pas un sort pour ça? Allô, Mora? C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou. Il ne reste donc plus que cette clé. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer, et je tiens toujours parole, crois-moi. Il y a quelqu'un? C'est toi, Pips? Juste ciel, quelle bataille! La clé, elle est là! Ça n'a pas été si difficile, finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Fais pas remarquer. Revelio.
Voyons. Maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé, de Madame Blainey à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Revelio. Qui est-ce qu'on a là ? Sébastien Palot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Yves, n'essaie je pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Ah, maudit Peeves ! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur ? Je connais le sort idéal. Réparo ! Revelio. Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Thank you.
Où peut-elle bien mener ? Je dois réveiller cette rune. Revelio. Des gardes. C'est pas surprenant. Incendio. Les cursos. Action.
Revelio. Action. Levioso. Incendio. Revelio. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ?
est presque. Il faut que je fasse attention. Vous vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée.
De la magie ancienne? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle ? Revelio.
vous n'êtes pas sérieux. Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi? C'est... une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine? Dans la barbe de Godric? Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrock, en vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. J'ai entendu dire que tu protégeais Préol. Moi, à Campolar en bas, dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe.
Laisse-moi passer. J'aimerais pouvoir me faufiler dans les autres salles communes, juste une heure ou deux. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Palo ne rate jamais une occasion de se battre. Thank you.
Revelio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-au-loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange, d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Rona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et maintenant qu'ils travaillent avec Ranrock, eh bien... C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Excuse-moi, puis-je te demander ton aide? Dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches.
Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfie! Tu vas regretter la voix. Arrête immédiatement! Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Viens par là, petit enfant. Incendio. Je n'irai nulle part avec vous. Incendio. Lâche-moi. Protego. Incendio. Ne bouge pas. T'as appris ça dans ton école. Incendio. Tu risques de le sentir demain. Si t'es encore en vie. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Poudlard. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Il s'intéresse à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers, là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments.
Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable ! Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio! Barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci ? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Attention, futur champion en approche. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira ? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse.
Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action! Incendio! Leviosa! Très bon travail! Incendio. Bien joué. Action. Incendio. Leviosa. Action. Essaie encore. Incendio! Leviosa! Action! Incendio! Bon travail! Impressionnant! Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer en duel. Et je suis sûr que tu feras encore mieux, ajoute magique. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Nati. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Incendio. Action. Leviosa. Protego. Ce n'est pas le moment. Contingo. Leviosa. Prenez des cartes de sang, Protego. Incendio. Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais y arriver. Protego. Incendio. Contingo. Attention, momentum. Incendio. Dommage qu'il ne puisse pas y avoir plus de public. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi! Oui, je suis vraiment très fier de moi. Et nous sommes ravis d'avoir un champion aussi modeste. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupée.